Alors, vous parlez des oreilles d'âne. En fait, c'est une idée, c'est une de mes initiatives au départ parce que moi, j'ai une spécialité qui est plutôt dans la musique ancienne. J'ai fait des études poussées dans la musique ancienne. On va dire que la musique après 1750, c'est-à-dire en gros après la mort de Bach, pour moi, c'est de la musique moderne. Et j'avais envie d'un peu pousser les murs et aller voir ce qui se passait de l'autre côté des années 1750. Et j'ai proposé à des musiciens, c'est aussi, ça s'est fait sur des rencontres, des musiciens qui ont une expérience complètement différente, un milieu complètement différent. Donc Maxime et Pierre-Stéphane ont une formation extrêmement classique. Et puis Claude, il amène son côté, sa grande connaissance du langage du jazz. Et voilà, et ça s'est fait, et j'ai eu la chance de rencontrer des super musiciens. Et au début, si c'était un peu moi qui dirigeais les choses, ça se fait de moins en moins. Maintenant, chacun prend vraiment la parole et amène son propre langage, ses propres idées, jusqu'à ce que ça puisse même dériver bien au-delà. Et ça va même, on va dire que ça peut dégénérer parfois. Et à force de faire que de la musique ancienne, j'ai voulu essayer d'explorer d'autres moyens d'expression parce que j'ai plus aujourd'hui un souci qui est uniquement historique. Les oreilles d'âne, c'est de pouvoir se libérer de ce carcan. Et mon activité de musicienne, j'ai une activité pédagogue, parce que je suis professeure au conservatoire de Gap, comme mes trois autres compères. Et j'ai aussi une activité en orchestre, où je joue dans des orchestres français spécialisés dans la musique baroque. Donc je garde cette pratique spécialisée quand je vais jouer ailleurs de Gap, et dans Gap, je pousse un peu les murs. Là-dedans, on est quand même dans un style très particulier qui est celui très codifié, je veux dire, de la musique savante, on va dire. Mais la musique savante, ça, enfin, moi, ma particularité, c'est de, on va dire, de connaître très très bien la musique de, on va dire, de 1750 à la période contemporaine. Mais disons que, par exemple, Claude avec le jazz et Meyan avec le baroque apporte un univers, des univers complètement différents. Et donc en fait, tout simplement, c'est un moment où on partage vraiment des points de vue, des croisements de points de vue sur la musique en fait. Et aussi une des deuxièmes choses les plus les plus belles dans cette aventure là, c'est que le public, en fait, on s'amuse à le surprendre constamment, tu vois. Mais vraiment, on n'a pas du tout les mêmes réactions que dans les concerts que je fais d'habitude, quoi.
Pour moi, ça a été vraiment intéressant en fait d'intégrer le groupe par le fait que à la base mon instrument, donc le violoncelle, c'est vrai que c'est extrêmement connoté musique classique. Un petit peu musique ancienne, mais vraiment peu. Et donc dans mon enseignement, j'ai vraiment eu une méthode très traditionnelle d'apprentissage, et on m'a appris vraiment tous les codes de ce style de musique en fait. Donc mélanger ces langages et créer une musique qui vraiment nous est propre en fait. C'est vrai qu'on, par nos expériences et par le croisement de ces expériences, on a la possibilité de créer un type de musique qui est un type de langage même qui nous est réellement propre. Et puis surtout qui sont aussi des grands, des super musiciens, des techniciens, des musiciens merveilleux. Voilà, c'est la première chose. Et puis aussi, on rit beaucoup, on invente beaucoup, en permanence. Donc c'est toujours la musique de l'instant avec eux. Donc ça, j'aime. Sans arrêt, on est toujours en train de chercher, de poser, soit d'arrêter des choses, soit de laisser des plages à l'improvisation, à la spontanéité. Donc c'est à la fois très structuré et à la fois il faut qu'on se sente libre. C'est un peu notre cheval de bataille. On va pouvoir aller chercher des musiques de films, on va pouvoir peut-être écrire des choses aussi personnelles, on en parle. On va aller piocher un peu des mélodies un peu partout et puis les jouer à notre sauce. Voilà, c'est ça je pense que c'est proche du jazz quand même, hein, quelque part, tout ça. Moi, ce que je peux dire, il y a plein d'interprétations, je ne vais pas développer, hein. Ben non, tout le monde pose la question. Déjà, quand on se la pose, c'est rigolo. Hein. Voilà. Après, il faut venir au concert, parce qu'il y a toujours des explications sur l'origine du nom. Alors là, il faut venir au concert, hein, ça, c'est sûr. Voilà.